jeudi matin et le rhinato vient de commencer. J'ai pas grand chose à dire pour l'instant, j'ai juste commencé ce matin American Panda, j'en suis au chapitre 4. Au début, j'avais l'impression que la narratrice de l'audiobook, elle était malade, elle était trop bizarre. Genre, j'ai eu trop du mal à me faire à la façon dont t'as parlé, mais au final, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle parle aussi chinois. Du coup, c'est cool, enfin mandarin, et du coup, c'est sympa parce que quand il y a des passages en. Enfin, quand il y a des phrases en chinois mandarin, elle les dit en. Genre avec l'accent, etc. Genre, elle sait parler le mandarin, donc c'est trop cool. Et voilà, pour l'instant, je suis au chapitre 4 et genre, je suis grave à fond dedans. Genre, j'ai trop hâte de voir où est-ce que l'histoire va aller. Et voilà! La page 70 de Love Someone Inside Your House et c'est pas ce que je pensais pour l'instant. Je pensais qu'on allait être direct dans l'action, que ça allait être genre pendant tout le livre, ça allait être un huis clos, mais pas du tout en fait. Ça se lit vraiment comme un contemporain. Une bonne surprise pour l'instant, un contemporain slash roman à mystère parce qu'il y a quand même une histoire de meurtre. Dans les premiers chapitres, on apprend qu'il y a eu un meurtre et du coup, ça pose une ambiance. Dans un cadre très contemporain, ça pose une ambiance un peu de roman à mystère. Peu à peu, il y a un peu de tension qui apparaît. Pour l'instant, il n'y a pas eu. D'horreur véritable, mais on sent qu'il y a un peu de tension qui apparaît et donc j'ai très très hâte de voir. Je suis vraiment très curieuse de comment l'autrice va apporter tout ça et comment elle va mettre en place toute l'horreur et tout. En tout cas, je suis vachement agréablement surprise par le fait que ça se lise vraiment comme un contemporain et que les personnages soient plutôt creusés et pas totalement caricaturaux. C'est pas caricatural, mais c'est un peu. Bah disons qu'on retrouve des caractères. C'est exactement ce que j'attendais d'un livre comme ça, d'une version romancée, ou plutôt écrite, d'un film d'horreur. Donc pour l'instant, je trouve ça top. Donc j'ai très très hâte de continuer. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais aller me mettre dans mon jardin parce qu'il fait super beau et continuer les livres. Heureusement que mes voisins sont tous trop vieux pour se rendre compte que je suis en train de parler toute seule. Bonjour, on est le jour 2 du Reading Rush et
je peux vous faire un petit bilan jusqu'ici. Je suis au chapitre 14 de mon livre audio, donc de American Panda, et je suis à la page 193 de Version One Inside Your House. Hier soir j'ai continué, c'était vraiment trop bien et j'ai vraiment eu peur. Genre il y a une scène qui faisait archi peur, enfin peur, qui était archi angoissante et j'ai vraiment ressenti de l'angoisse et tout, c'était trop trop bien. J'ai eu du mal à arrêter de regarder, mais j'avais envie de regarder Dr House. En ce moment, je suis obsédée avec Dr House, vraiment que c'est horrible. C'est mon frère qui m'a donné envie de regarder, il était en train de regarder et ça m'a donné envie de regarder. Et du coup, bah, j'ai envie de regarder tout le temps maintenant, mais ce livre est trop trop bien. Et là, je vais me remettre à lire. En plus, hier soir, il y avait de l'orage, genre c'était l'ambiance parfaite. Il pleuvait, il y avait de l'orage, mais vraiment l'ambiance parfaite pour lire ce livre. Hier, le challenge Instagram, c'était de prendre en photo son coin lecture préféré, mais j'ai pas réussi à prendre une belle photo, donc je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, c'est son marque-page préféré, donc je pense que je vais essayer de le faire. J'ai pas vraiment de marque-page préféré en soi, genre tout et rien me sert de marque-page, mais je vais, enfin il y en a un que j'aime beaucoup, et en fait en général les marque-pages que j'aime beaucoup, j'ai peur de les utiliser pour pas les abîmer et pour pas les perdre, parce que je perds très souvent le marque-page. Mais voilà, je vais essayer de prendre une photo tout à l'heure du coup. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un tag que Ariel Bissette elle avait créé pour le Reading Rush, genre un tag Stay at Home Reading Rush, et du coup je voudrais essayer de le filmer, mais pour l'instant j'ai trop envie de lire, donc je préfère commencer par lire et puis après on verra si je le filme aujourd'hui. J'ai trop peur que le vlog que je suis en train de faire il soit hyper chiant, parce qu'en soi je fais pas grand chose, enfin j'essaie de lire un max, et quand je lis pas genre je regarde des vidéos, mais genre en soi je fais vraiment pas grand chose, donc j'espère que le vlog sera pas très chiant, mais au moins je lis pas mal, enfin un petit peu, enfin bref. J'ai fini Version One Inside Your House de Stephanie Perkins, donc ça comptait pour le challenge. Un livre avec le mot house sur la couverture, non pas avec le mot, un livre avec une maison sur la couverture. La fin, mais j'étais tellement à fond dedans, enfin j'étais tellement prise et j'étais... Wow, c'était intense. Tout le livre était plutôt intense et j'ai vraiment vraiment adoré et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai un peu de mal à comprendre les critiques négatives qu'il a reçues. Faudrait que je regarde des revues et tout, parce que vraiment j'ai du mal à comprendre, alors que je l'ai vraiment trouvé très très bon sur beaucoup de points. Il y a des choses qui sont stéréotypes, il y a beaucoup de choses stéréotypées, sauf qu'elles sont envisagées sous un nouvel angle et d'une nouvelle façon, qui fait qu'au final elles sont pas vraiment des stéréotypes. Et je comprends pas vraiment les nombreuses revues négatives que j'avais vues, parce que je l'ai vraiment adoré. Je pense que c'est juste parce que c'est des gens qui l'avaient lu et qu'au final c'était pas pour eux. J'avais tort, je pensais que ça allait être une sorte de huis clos ou quoi. C'est pas du tout, ça se passait sur une beaucoup plus longue période de temps que ce que je pensais. Enfin pas hyper longue non plus, ça doit se passer genre sur 2 semaines, même pas. Mais c'est un thriller en fait, c'est complètement un thriller. Et j'ai vraiment adoré, genre j'ai vraiment adoré, j'étais à fond dedans, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ma lecture, et c'était vraiment le livre parfait pour un readathon effectivement. Bah ouais, j'étais triste quand il s'est fini, genre j'étais vraiment très triste quand j'ai fermé la dernière page, et bah, j'espère que Stephanie Perkins compte réécrire de nouveaux thrillers ou de nouveaux livres dans ce genre là, parce que moi je serais là totalement pour le lire, genre j'ai vraiment, j'en veux vraiment plus quoi. La longueur était parfaite cela dit, si ça avait été... Ça aurait pu être un peu plus long, mais je pense que la longueur était parfaite. Le rythme était bien géré, il était assez rapide. Mais j'en veux plus, je veux d'autres livres comme ça. Si jamais vous avez lu ce livre et que vous en connaissez d'autres qui ressemblent, ça me plairait de le savoir. Ouais, j'ai vraiment aimé, je sais pas trop quoi en dire plus, à part que j'ai passé un super bon moment. Mais là, je me sens trop stressée, genre j'en peux plus. Je suis trop stressée par rapport à la fac. Je suis censée être en vacances, mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. C'est la saison des examens. Et moi mes examens se passent tous en ligne et j'ai plein de devoirs à faire. Donc je voudrais passer un peu de temps là pour regarder un peu ce que j'ai à faire. Il faut aussi que je corrige mes articles pour mon cours de rédaction journalistique, puisqu'il faut que je les rende lundi. Et j'en ai un qui est prêt,
et un deuxième où il faut que je fasse une très grosse correction dessus et je sens que ça va être chiant. Mais il faut que je le fasse et je pense que je vais le faire maintenant parce que ça va me permettre un peu, comment dire... Paradoxalement, travailler sur les trucs pour la fac, ça me permet aussi d'extresser par rapport à la fac parce que j'ai pas l'impression de rien faire. De mon niveau de stress. J'ai besoin d'une peluche pour faire un câlin. Je suis passée d'un jean à un bas de pyjama. J'ai une couverture, je suis dans mon lit. Alors ça en fait c'est le côté stress de mon lit. Ça c'est le côté dormir en sérénité. Ça, dans le coin, dans l'angle là, ça c'est le côté stress. J'ai fermé mes volets. J'ai ramené tout l'attirail anti-stress ici pour regarder des vidéos. Pour lire. Et j'ai aussi, alors j'ai fait une petite entorse à ma pile à lire en fait, je me suis rappelé que j'avais ce livre que j'avais envie de lire et il rentre dans la catégorie un livre qui vous fera rire, sourire pardon, et j'avais trop envie de le lire, genre c'est exactement ce dont j'ai besoin maintenant pendant que je suis une boule de stress, une patate dans son lit. C'est un livre en fait que mon copain a offert à ma maman pour Noël et elle a dit qu'elle avait adoré et qu'il fallait que je le lise parce que c'était trop bien. Et c'est un cozy mystery, bah je pense que vous connaissez sûrement Agatha Raisin parce que c'est quand même vachement connu. Tout va bien, les livres existent. Du Ridaton, je suis en train d'écouter mon livre audio, enfin là je l'ai mis en pause évidemment pour parler, mais je suis au chapitre 18. J'ai commencé hier Agatha Raisin, pour l'instant c'est super cool, super frais et léger et ça se lit genre à une vitesse mais incroyable. Là je me suis mis dans le jardin pour continuer de lire. Il fait un peu frais mais genre avec mon manteau et ma couverture je suis bien et dehors, enfin j'aime trop être dehors donc je me suis mis là. Ce matin aussi j'ai posté la photo pour le challenge Instagram du jour. Hier j'ai carrément zappé de le faire donc je l'ai fait ce matin, j'ai fait... c'était poster une photo de sa bibliothèque, donc j'ai fait ça. Et j'ai prévu 2-3-4 photos pour Instagram, comme ça j'en ai d'avance et tout. C'est cool, j'ai un peu envie de me remettre dans Bookstagram en ce moment, donc j'ai prévu des photos, je les ai éditées et tout, donc elles sont prêtes à poster, j'aurais plus qu'à les poster. Et je pense que je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur comment je gère mon compte Instagram ou comment on peut gérer un compte Bookstagram, si ça vous intéresse. C'est une idée de vidéo que j'avais eue et que je trouvais cool, genre... des conseils et tout pour gérer un compte Bookstagram, je sais pas, voilà, si ça peut vous intéresser. Mais bref, je vais continuer, je finis mon chapitre de mon livre audio puis après je me replonge dans Agatha Raisin. La tête dans les étoiles de Jane Wang et c'était vraiment vraiment trop trop cool. Si je dois le comparer au Prince et la Couturière, je pense que j'ai préféré le Prince et la Couturière, mais ça n'a pas de sens de le comparer donc je ne devrais pas le faire puisque ça n'a pas beaucoup de rapport à part que c'est la même artiste. C'est donc l'histoire de deux jeunes filles qui habitent dans la même communauté chinoise aux États-Unis. Il y en a une qui est assez sérieuse dans ses études, ses parents sont plutôt stricts mais genre ça va, elle joue du violon et elle s'appelle Christine. La deuxième s'appelle Moon et elle est nouvelle dans le quartier et elle va emménager dans la maison en face de chez Christine. Et Moon elle est un peu plus excentrique entre guillemets,
Elle diffère de ce que, Christine a l'habitude de voir et des habitudes en général de Christine. Et donc les deux vont devenir amis. Et Moon va confier à Christine qu'elle a des visions et que en fait c'est pas un humain, c'est un être céleste et qu'elle va un jour rejoindre ses visions, enfin pas des visions mais genre elle va un jour rejoindre le ciel parce qu'elle a pas vraiment sa place sur Terre. Et donc voilà un peu l'histoire, je vais pas en dire plus. C'est vraiment trop mignon et ce qui est vraiment vraiment intéressant c'est que ça s'intéresse aux individualités à l'intérieur même d'une communauté. Puisqu'on a l'habitude de ramener les gens à des communautés. Ce livre s'intéresse aux individualités dans les communautés et s'intéresse aussi au fait que comme les gens sont réduits à des communautés, ils peuvent se sentir encore plus différents et encore plus mal justement en se comparant aux autres membres de leur propre communauté. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais pour moi ce livre a un message extrêmement important pour les enfants comme pour tout le monde. Et... Bon, moi j'aime bien le style de Jane Wang, je pense qu'il peut pas plaire à tout le monde parce qu'il est vraiment... Bah les traits sont très ronds et pas minimaliste, pas du tout minimaliste mais simple. Les traits sont ronds et simples, moi j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup ce genre de dessin là. En tout cas je vous le recommande, vraiment, j'ai passé un super super bon moment. Ça se lit super fluidement, ça se lit tout seul, c'est super. Pour Agatha Raisin j'en suis à la page 181, donc j'ai bien avancé, je suis à plus de la moitié, et j'aime vraiment beaucoup, ça se lit mais tout seul. C'est le genre de livre pour lequel j'aimerais bien aimer le thé pour pouvoir boire du thé en même temps. C'est vraiment trop trop cool, et j'ai déjà envie d'acheter la suite, enfin genre de me procurer la suite pour pouvoir lire la suite. Bon ça va être confinement, je suis traumatisée, ça va être difficile en ces temps de confinement. Je l'ai vu vraiment vraiment beaucoup de fois sur Instagram et sur YouTube et je suis bien contente que ma mère ait eu ce livre à Noël, comme ça j'ai pu le lire aussi et j'ai fait une bonne découverte. Alors, je viens vous parler parce que j'ai fini tous mes livres pour le Ridathon et du coup, ben, pour moi, c'est fini. Je vais profiter de ce dimanche après-midi pour me reposer parce que je suis fatiguée et surtout pour corriger mes devoirs puisque j'ai un devoir à rendre ce soir, donc il faut que je le rende et que je l'envoie. Donc ça tombe bien que j'ai fini à l'avance puisque de toute façon, il fallait que j'arrête à l'avance. Bref, ce que je dis n'est pas intéressant. Je suis ultra contente de ce que j'ai réussi à lire, genre c'était inespéré, je sais pas comment j'ai fait pour lire tout ça, mais je suis trop trop contente. Bon, en même temps j'ai fait que ça, genre j'ai vraiment rien fait d'autre, les conditions étaient très propices, donc c'était parfait. En livre audio, du coup j'ai fini mon livre audio, tout à l'heure je suis allée marcher, je suis fatiguée d'ailleurs, ça m'a tellement fatiguée, j'ai marché beaucoup trop vite, mais bon au moins j'ai fait un peu de sport, c'est bien. Mais je pensais, mais genre vraiment de marcher ça m'a achevée, alors que je marchais pas si vite que ça, mais... J'ai tellement plus l'habitude de faire de n'importe quelle activité physique, hein, genre même monter les escaliers je le fais à peine, donc genre vraiment ça me tue. Et je me dis mais quand je vais sortir de chez moi et que je vais reprendre la vie normale, comment je vais faire, genre je ne peux plus marcher. Bref, donc pendant que je suis allée marcher, j'ai fini mon livre audio qui était American Panda. C'était sympa, c'était pas genre révolutionnaire encore une fois, j'ai apprécié, mais... Sans plus quoi, à mon avis je vais l'oublier très vite, ça m'a pas laissé une grosse marque, genre ça m'a pas choquée, ça m'a pas... J'étais pas hyper impliquée dans l'histoire, il y a eu des moments quand même c'était vachement fort et vachement cool, genre il y avait quand même des choses que j'ai beaucoup appréciées, mais en soi l'histoire était pas ouf, rien n'était vraiment ouf, et pour mes goûts, disons que j'ai déjà lu trop de trucs plutôt similaires, même si c'est intéressant bien sûr de voir la représentation de la communauté chinoise etc. Bien sûr, c'est juste que outre ça, il n'y a rien eu de ouf et c'était pas un livre qui va me marquer ou quoi. Je voulais parler du livre audio parce que j'arrêtais pas de me dire, genre
En fait, j'avais fait une vidéo sur les livres audio, mais je crois que je l'avais jamais montée et jamais postée, donc je pense que je vais pouvoir la poster l'année dernière, mais ce que je dis, je pense que c'est toujours valable. En fait, le truc, c'est qu'un livre audio, c'est déjà une interprétation du livre, donc t'as pas accès aux matériaux bruts, genre t'as pas accès aux livres bruts, donc ça peut dévier un peu l'expérience de lecture et l'expérience du livre, mais je pense que là, ça a plutôt apporté quelque chose. Je pense que là, le fait d'avoir le livre audio, plutôt que d'avoir le livre, ça m'a plutôt apporté quelque chose pour ce livre-là. Déjà parce qu'il y avait les passages en mandarin, qui étaient lus en mandarin, et moi je ne comprends pas le mandarin, et c'était sympa d'avoir du mandarin, genre du vrai mandarin, à haute voix. Il y avait aussi, bah, la narratrice, en fait, au début j'avais des doutes sur elle, mais genre j'ai vraiment beaucoup aimé, et elle avait une bonne capacité à interpréter les différents personnages, donc c'était vachement cool. Genre elle arrivait vraiment vraiment à me faire ressentir des trucs. Donc, good job. Ensuite, j'ai lu ces trois livres-là, mais je sais pas comment j'ai fait pour lire tout ça. La tête dans les étoiles, je vous en ai parlé, c'était vraiment vraiment sympa. Je suis contente de l'avoir lu. J'ai lu There's Someone Inside Your House, qui était aussi super cool. Et La Quiche Fatale, donc le tome 1 de Agatha Raisin de M.C. Beaton. Pareil, je l'ai vraiment adoré. En somme, j'ai fait vraiment des lectures super. Genre, ces trois livres-là, c'était vraiment des lectures de ouf. Dans des genres différents. Ce qui était cool, j'ai un peu fait dans tous les genres. Thriller, archi bien, un de mes thrillers préférés, je pense. Agatha Raisin, c'est trop bien, mais ma mère, elle a commandé le tome 2 parce qu'elle l'a lu aussi à la base, c'est elle. Donc, elle a commandé le tome 2. Trop trop cool, trop sympa à lire, vraiment, le livre le plus détente au monde. Et La tête dans les étoiles, c'était super beau. Bref, c'était excellent. Je suis trop trop contente de ce que j'ai réussi à lire, de ce que j'ai réussi à faire. Là, je vais poster la photo sur Instagram. Le challenge du jour, c'est de prendre une photo d'un livre dehors, et puis moi j'en ai déjà une de prévue, genre j'en avais déjà une de prête. J'ai trop hâte d'être à cet été pour faire le vrai entre guillemets Reading Rush. Je crois que ça se passe du 20 au 26 juillet, en plus le 26 juillet c'est mon anniversaire. À chaque fois le Reading Rush il se passe pendant mon anniversaire ou genre tout à côté de mon anniversaire. J'espère que le log vous a plu, j'espère que vous avez fait de belles lectures si vous avez participé, et j'espère que tout va bien pour vous et que vous restez en bonne santé. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.